dans leur cabane, qui restent les deux pieds dans leur cabane parce qu'ils ont, en général, ils ont peur. N'insistez pas trop, hein. Et ils ont le droit d'avoir peur. Et ça, on respecte un peu le... Enfin, moi, personnellement, ça me gêne pas de voir une petite gamine sur une première séance qui est comme ça, qui n'ose pas sortir. Hein. Ça me pose zéro problème. Et je la laisse. Puis petit à petit, elle va prendre confiance. Quand ça va tourner, elle va rencontrer quelqu'un d'un peu moins fort, elle va oser. Elle va pas avoir peur de prendre des coups parce que l'impact, avant qu'ils comprennent que ça fait pas mal. Alors après, vous pouvez imaginer des situations, hein, où vous leur dites, par exemple, vous pouvez mettre une situation comme ça, où on regarde, voilà, on se met en garde, on enlève ton pose ton fleuret par terre, et ton masque. N'engagez pas, toi. Mais... Voilà, puis moi, je vais faire aux élèves 5 fentes pour aller bouger. Voilà, je vais toucher 5 fois, ça va. Voilà, et comme ça, les enfants, ils s'habituent. Vous pouvez faire ça aussi, hein, pareil sur la tête. Voilà, il n'y a plus peur. Donc, chaque fois, ça dédramatise un petit peu la touche. Hein. Bon, mais ça, vous vous adapterez, c'est assez simple à des situations comme ça à mettre en place. Bien. Alors maintenant, il fait sa frappe en premier, là, il t'attaque en premier, il touche à la jambe. Alors, attaque, il touche à la jambe, ça compte pas. On va compter tout ce qui est blanc, tout ce qui est valable, c'est la veste, jusqu'au bras, là, ici, là. Vous avez dans les premières séances, hein. Quand on fera l'arbitrage pour les championnats de France, ça touche. Mais si ça touche là, c'est bon, si ça touche là, c'est bon, si ça touche là, c'est bon, si ça touche là, c'est pas bon. Ok, on va pas dans les jambes. Sur le masque, elle est portée comme ça, et puis sur la veste, elle est portée comme ça, et voilà. Et s'il touche comme ça à côté, c'est pas bon. Et si tu piques sur le masque, c'est pas bon. Ça fait mal. D'accord ? Non, je vais, s'il attaque en premier, qu'il fait une touche à la jambe, mais que toi, juste en réaction, tu fais une fente valable. Alors là, on a coupé un peu ou pas ? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, on peut très bien dire l'attaque non, l'attaque repart, elle touche, point, pas de problème. Et puis comme on peut dire, l'attaque, elle touche, mais elle n'est pas bonne, stop. Non, on arrête à la première. Non, c'est-à-dire que nous, au championnat de France, on s'est mis d'accord. Vous, avec vos élèves, bon, c'est pas très très grave, hein. Franchement. Or, la règle normalement, c'est l'attaque, elle touche, stop. Elle touche non valable, elle touche pas sur la bonne partie, on donne pas la possibilité à l'autre d'aller toucher. Vous aurez la même chose aussi dans la cabane. L'élève qui se réfugie dans sa cabane, il est touché. Donc, est-ce que l'arbitre dit « halt, la touche n'est pas bonne, il est deux pieds dans sa cabane », alors que si l'autre ressort derrière et qu'il touche. Nous, si l'arbitre dit spontanément « halt, cabane, pas de touche », et qu'il ne s'occupe pas de ce qu'il y a après, on laisse faire. Et si l'arbitre ne dit rien, et puis que l'autre ressort, là, il lui met une touche, il dit « l'attaque, elle touche, mais l'autre est dans sa cabane, l'autre ressort, il touche, on lui donne le point, nous on est OK ». Tout ce qui va valoriser l'échange, pour nous, c'est intéressant. D'accord ? Moi, j'ai deux gamins qui ne peuvent pas parler. Est-ce que... rappeler les gestes, Ouais, alors, vous pouvez faire des gestes, mais... Ils font pas. Ouais. Donc, les gestes de l'arbitrage, c'est en garde. Prêt ? Allez. Allez. C'est comme en français. Halt. L'attaque, touche, point. L'attaque, touche pas. L'attaque repart, touche, point. Non mais regarde, c'est assez simple. Vous êtes en garde, prêt, halt. L'attaque, puis l'attaque. L'attaque, elle part d'ici, l'attaque, elle part de là. L'attaque, elle part d'ici, l'attaque, elle touche, point. L'attaque, elle touche, point. L'attaque, elle touche pas. Quand elle repart d'ici, elle touche, point. Trop dur. Ah bah non, mais franchement, c'est pas mon propos. Oui. Sinon, on va commencer avec les termes et tout, et donc, je veux pas de ça.